bah la famille c'est fait, maintenant les amis. Vous avez pas d'amis. Et bah comme ça c'est fait aussi, allez hop. Pourquoi t'envoies pas une carte à ton patron? Avec un chèque et une médaille, c'est ça? T'es malade? S'il y a bien une personne à qui je veux pas souhaiter une bonne année, c'est bien lui. Bon, bah t'as qu'à lui en souhaiter une mauvaise, hein. Moi j'y vais, hein. Allez, salut. Et puis il y avait plein de gens qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps, surtout il y avait Mike. Ah Mike, le fameux, la Bob Moran, l'aventurier. Tu connais Mike, toujours entre deux avions? Ouais, comme moi, toujours entre deux couches. Tu dis quelque chose, chérie? Non, rien, je parlais avec Rose. Tu veux souhaiter bonne année à ma soeur? Ouais, bah bonne année. Je voulais juste te dire que moi j'ai passé une soirée de merde pour le réveillon. Mais tout le monde s'en fout, je suis un trouble-fête, c'est ça, hein. Tu dis que des conneries. De toute façon, ça m'a donné une super idée pour mon anniversaire, on va faire une super fête. Hors de question! Ta mère va garder Rose et tous les deux on va partir en retraite au couvent de Saint-Eustache. Tu vois, j'ai fait une grosse crise de palu, alors j'ai appelé SOS médecin, puis il y en a un qui est arrivé, puis un deuxième, et puis bon, bah, tu me connais, hein. Tout ça s'est transformé en petite fête, hein. Ouais, super génial. Puis en plus, j'ai pas le palu, alors tu vois, je commence bien l'année, moi. Hmm. Ouais. Non, Tati, comment te dire? Cette année 2004, j'ai pris des grosses résolutions au niveau professionnel, j'ai tout remis à plat, j'ai décidé que t'allais t'occuper de moi à fond. Mais pour le salaire, on fait comment? Alors, je t'attendais sur ce point-là. On bouge pas, on reste sur nos acquis 2003, d'accord? C'était notre point fort. Et oui, puis, on change pas une équipe qui gagne 1500 euros, hein? Si j'ai bien compris, en 2004, je suis de la baise. Et puis cette année, j'ai pris la résolution d'être gentille. À partir de quand? Bah, de tout de suite. Donc ça veut dire en fait que tu prendras ta douche plus tôt le matin pour nous laisser dormir plus longtemps? Oui. Et tu feras la vaisselle tous les soirs, non pas tous les trois jours. Ok, pas de problème. Et donc tu ne dragueras plus les mecs qui viennent me voir non plus. Okay. Tu me rendras toutes mes affaires, ainsi que le fric que tu me dois. Pareil. Je crois que je vais changer de résolution là, c'est trop ambitieux, pas pour moi. On est tonton Jojo, on est tonton Jojo. Tonton Jojo, j'ai... Oui, Jojo, voilà. Un oeil sur plaisance. Tonton Jojo. Oh là, qui combien? On n'a pas arrêté. On a passé notre temps à s'embrasser. Eh, bonne année par-ci, bonne année par-là. Et toi, tu m'énerves. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Ça va, je peux quand même souhaiter une bonne année à mes collègues, non? Non, t'as pas le droit. Eh, on est en France, le pays des droits de l'homme. Hein. Mais justement, les droits de l'homme, c'est pas les droits de la femme. Alors, faudra que ça rentre dans ta petite tête, ça. Quelle connerie, les 35 heures. Quand je pense à tout le temps que je pourrais passer sans toi, au boulot. C'est qui? Ta sœur, Jeanne, elle veut te souhaiter la bonne année. Pourquoi faire? Bon, écoute, Jeanne, je te rappelle, hein, parce que ça n'a pas l'air d'aller bien. Ton frère, il nous prépare une très grande année. Au revoir, à bientôt. Mais qu'est-ce qui te prend? Ben, qu'est-ce qui me prend, c'est que l'année dernière, je lui ai souhaité la bonne année, puis elle a perdu son mari dans l'année. Alors cette année, ben, j'aime mieux faire une vraie gueule, tu comprends? Oh, mais c'est pas à toi que je veux parler, non. Non, mais passe-moi mon fils, c'est tout. Je veux lui souhaiter une bonne année, ouais. Non, mais j'ai le droit. Non mais je peux pas le voir parce que madame est partie à la montagne pour fêter la nouvelle année, alors je peux au moins lui téléphoner, non? Non mais elle t'a pas tout dit l'autre, le 31, là. Non elle t'a pas tout dit. Mais toi, mais je te souhaite une année de merde, moi, une avalanche sur la gueule, là, une grosse gamelle en ski, un doigt coupé, je sais pas, moi, choisis. Accrocher la chienne, là. Je vais la faire chier toute l'année 2004, comme l'année 2003, mais en mieux.